Oui. Petite coupure stream. Et on reprend là où on en était. Donc j'ai réussi à me débarrasser de mon binôme qui était très très désagréable et qui voulait absolument ma mort. Non sans avoir fait maintes essais dans ce combat tout à fait inégal. Et du coup, Angèle, il y avait une méchante Angèle et peut-être une gentille, va savoir. Chapitre 5, ça ne s'arrête jamais. I was invited by an old friend, and now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. It's only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. Il y a de l'ambiance. Alors oui, ça fait bizarre de rattaquer le stream comme ça, mais bon, c'est un peu violent, mais c'est plus simple, on avait fait une heure. J'aime bien Henry. Découper en une heure Here. Maximum. You must be hungry. Sure, I do. Sorry, it's all we have. J'ai un nouvel ami, je crois. I know you're watching me. Bah oui, mais j'ai faim en plus. It's just a little creepy. Ouais, mais j'ai faim. You're the one that writes on the walls. Et j'ai faim. We all do. J'ai faim. For some poor souls down here, Bouger, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message, right there, in plain sight. So I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous,
And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. Really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Claf. Ouais, Tom, on va être super potes. We can't just leave him. Not with the Ink Demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Tom, we have to let him out. I'm sorry. Ouais, non, mais c'est moche, ça. Tom, laisse-moi ta... Ok. Ne passe pas par la porte. Cuillère. Entre. Je connais le chemin. Gauche, droite, gauche, ok. Prends la cuillère, mais elle est où? Ah oui, ok. Bon, on va prendre la cuillère déjà. Ok, ça c'est check. Et plus ok là. Plus ok les gars. Oui, ben ça j'ai vu. On va prendre du remontant et on va s'atteler à la tâche. Du mieux qu'on peut. Faut que je suive les petites mimines. Ah, je vais refaire comme tout à l'heure, parce que j'ai rouvert les rideaux et j'ai un ultra contre-jour violent. Il n'arrive pas à se déplacer dans l'obscurité. Et c'est pour ça que je vais au fond du gymnase. Gymnase. Oui, c'est un appartement de 600 mètres carrés. C'est un peu chiant pour le ménage, 600 mètres carrés, mais c'est vachement agréable. Il y a un peu d'écho quand on mange, c'est chiant. Et on y retourne. Ah bah ça va mieux déjà là. Non, je vous garantis qu'un simple contre-jour dans la face, vous n'y voyez plus rien, quoi. Ouh, je suis pas en grande forme. Il me faut des clafoutis magiques, je ne sais quoi, mais il me faut quelque chose. Et il faut que j'évite absolument de marcher dans l'encre. Deux coups dans la couenne, il leur faut maintenant, c'est diabolique ça. Allez, je vais fuir courageusement. Lancer la barge, mais tu es fou
Non, je suis pas arche. Pas de message secret, pas de message caché. Bon. Oui, je montrerai après. Je vais voir si je peux pas trouver un petit remontant. De remontant, je n'aurai point, il me semble. Ce qui est fort dommage. Bon, bah, on va monter à bord de cette barge de ouf. On appelle également une barge de barge. Non, tu ne veux pas que je monte dedans. Tu n'as aucune sympathie, même pour le diable. C'est moche, ça. C'est très moche. Je déteste être coincé avec un truc que j'ai sous le nez, mais que je ne peux pas actionner. Pour la peine, je vais me venger sur tout le décor. Tell me why I can't go in the barge. Because I want to go in the barge. And I want to go when? Maintenant. And I want to go where? Bah, somewhere. And I want to go why? Bah, parce que j'ai envie. Puis qu'on me l'a demandé. Et c'est ainsi que la barge se tira sans moi. Et je fus très malheureux. Mais alors vraiment très. C'est parti. Oh! Suivez l'encre. Ça va super bien se passer. On va se faire plein d'amis. Il y a une autre barge. Why, I don't know. Possibly because maybe something. Sounds like something stuck in the paddle wheel. C'est pas cool. Seb. Ah. Cool. Je vais quand même y aller. Non, tu ne peux plus. Ben ouais, mais du coup, je passe où, moi? Ah, me voilà dans Victorine. Je reconnais bien. Victorine, ne bouge pas, détends-toi, respire. Ça a super bien. Me revoilà. Alors, plus on est de fous, moins il y a de barges. Plus il y a de barges, moins on est de fous. Et toute la logique fout le con dans ce jeu. Ah, la grosse mimine, faut éviter de rester dessus. Je note. C'est pas très pratique, ça. Alors à guider, c'est encore pire. Parce que je crois que ça suit mon réticule. Oui, je vais utiliser des termes un peu scientifiques. Mon réticule. Et tu sais ce qu'il te fait, mon réticule? Bah, il te regarde. Alors je pense qu'aller à droite, c'est pas une bonne idée. On va aller à gauche. Gauche. Plus tu tournes. Encore. C'est bien. Les ennuis, les soucis, on va éviter. On en a déjà eu beaucoup pour une simple aventure dans un musée de l'animation. What? Non. Mais je ne comprends pas. Serais-je bête à ce point? Une hypothèse. Alors, quand je vais à droite, je me fais attraper par une mimine. Quand je vais à gauche, je me fais attraper par une mimine.
Le mieux serait de ne pas aller. Le mieux serait vraiment de ne pas aller, mais. On peut pas être au four à moulin. Donc je vais y aller quand même. Allez, suis mon réticule. Ce qu'on va faire, regarde. Je vais utiliser une nouvelle technique. Je vais attendre que la main droite s'active. Je vais faire croire que je vais à gauche et je vais faire subrepticement. Oui, c'est subrepticement. Un demi-tour pour passer dans le passage à droite, via la porte. Comme ça, si je revois une mimine, je saute où il y a la porte, comme ça, tout codement, tour. Maintenant, retourne là-bas. Non, il est inguidable, ce truc. En fait, je peux pas me guider. Il est là, le truc. Je ne peux pas me guider, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Il va y avoir la mimine. Je vais être dans la drôme. C'est ça. Avance! Je saute, moi. Hein. Je saute. Si c'est comme ça, je saute. Y a aucune possibilité, en plus. Je ne comprends pas. Alors, je dois être très bête. Donc, je m'en vais utiliser. La dernière solution possible, c'est... Tu montes dans le bateau. Tu attends que la première mimine, elle broie le bateau qui est à droite. Une fois que le bateau à droite est broyé, tu prends ce chemin. Ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. D'ailleurs, Catherine Ringer dirait, c'est comme ça, là, 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 là. Donc on va là-bas, on fait une petite pause, on regarde la scène. Et après, bah, on va où est le bateau qui a coulé à droite. Parce qu'on peut rien faire quand la main se rapproche de notre frêle embarcation qui timidement tente de se trouver un chemin. Voilà. Alors là, j'ai déjà plus le bateau, c'est la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que... Mais baise les ours. Alors c'est quoi l'astuce? Il y a une astuce, mais je capte pas. J'aime pas quand je ne comprends pas, je n'aime pas, personne n'aime de toute manière. Alors ce bateau qu'on peut pas diriger, c'est d'une connerie aussi. Donc tu ne fais qu'avancer ou t'arrêter, et inexorablement, une main viendra t'éclater. Soit. Et pourtant il demeure un moyen de s'en sortir, mais lequel? Si j'avais le chat que j'étais en live, je n'hésiterais pas à appeler un ami. Quitte à ce que ce soit même pas un vrai ami. Et on peut pas diriger ce bousin, quoi, c'est incroyable. Non, il fait vraiment ce qu'il veut. Donc là, il me fait de caca. Si je lui dis que je vais aller là-bas, il va me regarder avec un hernier, il va me faire. Là-bas? Non, tu n'iras pas. Et dès que j'arrive au niveau d'espèce de rocher là, comme par hasard, d'ailleurs on va s'arrêter avant. Quelque chose, man, il y a une connerie là, c'est pas possible.
On va arrêter le stream à cette 20e minute fatidique où ça va tourner en boucle sévère parce que ça fait de la... Et ça sent pas bon. Il n'y a rien de plus effroyable de pas piger. Utiliser les conduits de gens. Alors, utiliser les conduits de gens, mes couilles, quoi. Something in the river. Oui, j'ai eu l'info, gars. Le problème, c'est que le something, je peux pas lui échapper parce que inexorablement, il me prend pour un jambon. Alors attends, il y a un truc que j'ai pas essayé, c'est avec ma supervision of the death. C'est pas pratique. Pas le moindre indice, tu peux crever. Youhou. Putain. Bon, je vais lui brandir ce cadre qui me fait voir autrement à travers la gueule. On va voir ce que ça fait. Mais c'est la seule option que j'ai pas essayé. Ça ne change rien, tu vas te le pondre dans la figure, quoi qu'il advienne. Bon les amigos, j'arrête le stream, j'ai pas envie de vous faire tourner en boucle comme un abruti et je vais essayer tous les moyens possibles de passer parce que je ne comprends pas et faute d'être explicite, je vais vous éviter de tourner 2 heures avec moi. On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. C'est con, ce voyage en bateau avait l'air super intéressant. On se retrouve pour la suite du stream. Je vais essayer de coller tous les streams les uns dans les autres pour faire un gros stream patché. Voilà. Allez, la suite au prochain épisode. Ciao.